Mercredi 14 août 2019, nous sommes Télévision Nationale d'Haïti. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans la troisième parade de fête culturelle pour ce matin. Mais un grand point n'a bien pour nous développer pour Asoya. Sant arrivé dans Montréal annoncé pour 17 août là, déroulement 12e édition Journal Livre Haïtien. Haïti et Québec, deux plénitudes littéraires, c'est thème qui choisit pour nouveau édition événement culturel ça, qu'a fait dans le pays Canada. Anthony Fels et Rodney Saint-Louis a recevoir distinction dans l'occasion pour ensemble travail yo accompli pour avancement littérature haïtienne. Rapport autopsie, Général Toussaint Louverture a fait rentrer dans la collection Musée Panthéon National. Responsable institution ça, recevoir document ça, parmi une série d'autres pièces qui gain valeur dans le commencement mois d'août. Mais pas fait nouveau acquisition ça, grâce à une université étrangère qui t'a acheté dans le cadre d'une vente aux enchères. Première édition Festival International Vaudou arrivé dans Boutli, dans la ville Gonaïve, mercredi 14 août, là, qui coïncidait avec la date commémoration cérémonie Bois Caïman. Dans le journal, ça nous permet de revivre comment ça a été dans le cadre du festival ça, qui visait réconcilier les peuples haïtiens avec l'origine d'après l'organisateur. C'est tout ça que nous prenons pour nous développer pour vous, mais avant, nous prenons une pause, pas déplacer notre tournée. Pour vos cheveux naturels, je viens vous proposer Nat, une nouvelle gamme conçue spécifiquement pour des cheveux bouclés, frisés et crépus. Nat, c'est aussi un shampoing qui lave très bien le cuir chevelu sans piquer les yeux. C'est aussi un gel qui dessine et maintient les boucles. Avec Nat, le parfum est facultatif car toute la gamme sent divinement bon. Pour ce qui est du curl plus Nat, la crème coiffante hydrate est le produit essentiel parfait pour vous coiffer et maintenir vos cheveux en bonne santé. Nat fortifie, nourrit et apporte de la douceur aux cheveux. Adoptez aujourd'hui la gamme Nat, shampoing, gel, leave-in, traitement, conditionneur, crème coiffante, des produits qui ne contiennent aucun sulfate, sans parabènes, sans huile minérale. Nat, le meilleur traitement pour cheveux aussi bien pour les filles que les garçons. Les produits Nat sont disponibles partout en Haïti. Arrêtez de vous casser la tête à vous demander comment choisir une bonne université en Haïti. Je vous recommande le meilleur établissement universitaire du pays, Université Saint-François d'Assise d'Haïti, USFA. Jouer un travail pas facile ici. Pas gaspiller temps avec l'argent, non étudier n'importe côté. Université Saint-François d'Assise d'Haïti, c'est solution. Faculté de médecine. Faculté des sciences infirmières. Sciences de l'éducation. Faculté des sciences économiques et juridiques. Sciences informatiques. Faculté de génie. Faculté des sciences administratives et gestion des affaires. Faculté d'agronomie. Nous avons un programme diplôme tout. Laboratoire médical. Pharmacologie. Assistance administrative. Comptabilité informatisée. Technique bancaire. Informatique bureautique. Construction bâtiment. Technique douanière. Et puis, il y a un paquet d'autres options. La Faculté des sciences infirmières de l'Université Saint-François d'Assise d'Haïti est reconnue par le ministère de la Santé publique et de la population. Passez visiter dans une dans deux adresses. 1. Rue Famosa, Delma 33, au soit 4, rue Charbonnière, Delma 33, à côté de l'hôpital universitaire La Paix. Téléphone 34 23 62 54, 32 25 20 96 et 32 27 36 12. Ou qu'à inscrire sur site internet nous www.usfa.edu.ht. Reconnu par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Université Saint-François d'Assise d'Haïti, USFA. Partons vers l'excellence. Je fais musique depuis 47 ans. Je toujours fait l'axe souci pour m'offrir ce qui est bon. Depuis tout le temps, je représente Haïti avec professionnalisme, avec dignité, tout côté sous la terre. C'est comme ça que je respecte le pays avec Frémio. Mais si nous piratons le travail, si nous refusons de payer pour le travail, c'est parce que nous ne respectons pas. C'est parce que nous ne parlons même. Et puis tout, chaque note que je compose, c'est une déclaration de l'amour pour nous. Respecter les droits comme artiste pour nous continuer à nous tout ça que nous gagnons dans pour nous. Thank you.
Première information nous portons pour dans le cadre de l'émission Fenêtre qu'il tirait, le mardi 13 août. L'économiste Enomi Germain réalisé 21 premier livre qui est pour titre Pourquoi Haïti peut réussir dans Marriott Hotel. Selon OTA, essai économique politique ça traité ensemble thématiques tant que tourisme, production locale et éducation, pour ne citer ça ou seulement. À quoi il y a joué dans la réussite économique pays. Pour 21 Atissa, en pile monde te fait déplacement pour venir retirer exemplaire. N'a suivi un extrait avec Saïd Antoine et puis Jean Fleury. Nous pensons que et pratiquement Haïti a tout pour réussir. Évidemment, il y a des obstacles qu'on doit percer. Et on a dit ça dans le livre, le problème est fondamentalement institutionnel. Et à la base de ce problème, il y a un autre problème. C'est un problème d'hommes et de femmes capables aux commandes. On a dit ça dans le livre. Et c'est pour ça, par exemple, nous faisons un plaidoyer incessant pour que quand même, il y a une sorte de modification de l'offre politique en Haïti pour mettre les ressources du pays, les richesses du pays véritablement au service du développement national. Là. Premièrement, c'est que Enomi, c'est un jeune écrivain, et puisque c'est le premier livre avec un titre qui s'y interpellant, Pourquoi Haïti peut réussir, je pense que ça déjà, le titre est allé tout jeune pour venir, quand même, il y a un message d'espoir dans le livre, ça, tout le monde a vu venir regarder qui ça le livre ça a apporté pour nous. Je pense que le livre ça a déjà, nous avons une attente, parce que nous connaissons déjà le livre ça, c'est une réponse à un premier livre déjà qu'un économiste a publié. Nous tous déjà nous connaissons. Donc nous pensons que une réponse dans le livre Enomia qui dit que est-ce que Haïti vraiment a choisi pour venir en pays pauvre, mais nous pensons que vraiment Haïti peut réussir. Nous pensons que c'est attente nous ça le livre là. N'a pas poursuivre avec information pour nous faire connaître Musée Panthéon National Haïti recevoir dans mois d'août là une série nouveaux pièces dans collection parmi le rapport autopsie générale Toussaint l'ouverture une acquisition qui fait grâce à une université étrangère qui t'a acheté documents dans une vente aux enchères directrice générale institution Emily Prophète invité population vient visiter Mupana conseil à profiter ouais documents authentiques ça à côté en pilote qui fait criver. Toujours dans ce qui vient à ouais à origine nous mercredi 14 d'août là mené date commémoration Bois Caïman et c'est jeudi à tout premier festival international vaudoua qui était l'ouvri lundi 12 d'août là prend fin dans ville Gonaïve une côté dans pays a qui vient plus la cou vaudou ak mystique. Dans le cadre de la première édition de l'événement qu'il tire, le comité festival a réalisé un ensemble d'activités, tant que défilé, exposition, chant et latrier. Pour l'occasion, plusieurs personnalités et représentants quelques institutions qui ont milité pour l'avancement du secteur vaudou dans le pays ont répondu présent. Nous invitons à revivre un reportage avec Vladimir Dartrois et puis Denis Jasmin est préparé pour nous. Mambo ou Gan, serviteur loi à groupe Vodou qui sortit dans différentes régions avec société Vodou dans le pays. Défilé lundi 12 d'août dans plusieurs zones dans la cité indépendance là, côté au table danser et puis chanter. Yote prend direction Place d'Am, ville Gonaïve, pour participer dans la cérémonie ouverte, première édition Festival International Vodou en Haïti. Restaurer éclat Vodou haïtien a coûté tracé à travers 6 siècles histoire entre Taïnos, Européens et Zancetio. C'est principal objectif festival ça d'après sa président petit homme Beken fait connaître patrimoine ancestral et héritage immatériel ancestral ça que les ancêtres nous ont venu avec les souterrains ça c'est le vaudou donc c'est un éveil que nous-mêmes jeunesse haïtienne nous prend donc c'est un éveil que nous avons fait pour nous garder les possibilités qu'il y a pour nous rehausser pour ne pas respirer éclat vaudou haïtien qui et selon quelques bagailles a dit il y a un rideau mystérieux qui passait devant donc nous même nous obligés de démystifier vaudou comme étant jeune haïtien donc c'est pour ça année ça nous lancer le festival international vaudou qui vient pour thème le vaudou comme levier de développement économique du pays wa vaudou haïtien Augustin Saint-Cloud qui était dans tête défilé et puis qui t'a participé dans cérémonie officielle là exprimer contentement et puis profiter occasion pour demander solidarité tout esprit yo pour libérer pays a même Jean Otefel d'après ça l'a dit dans Bois Caïman moi senti mon content pour me venir dans travail sans sept aujourd'hui là pour venir secouer et grégor pays a balancer esprit yo sans sept yo cap dormi pays nous en danger peuple nous en danger culture nous en danger voudou nous en danger nous en danger et bien une fois que nous tout en danger donc on est l'un en danger avant c'était voudou acte mettre dehors et bien nous retourner dans pied voudou
Directeur Bureau National Ethnologie, Erol Josué Soubopal, applaudit l'initiative ça d'après lui qui visait faire promotion vaudou dans le pays. De l'autre côté, il y a des détails sur le niveau de participation institution l'a dirigé dans la première édition festival ça. Nous participons premièrement au niveau scientifique parce que nous sommes dans le comité scientifique qui était rendu possible par les conseils, travail qui j'ai pour nous monter et conférence qui j'ai pour nous monter exposition. Évaluation, nous sommes capables de dire yo positive et négative. Yo positive parce que je dis à nous capables de voir un peu les jeunes monde qui affirme, qui confirme en tant que vaudouisant. Négatif, nous capables de dire c'est tout un travail pour nous faire parce que en même temps nous un peu haïtien qui a perdu bout, qui a perdu bout tout. Exposition Zèv Vaudou, défilé, chant, danse, show mystique, c'est ensemble activité qui t'est marqué premier journée festivité yo. Événement culturel ça qui a déroulé en baptême le vaudou comme levier de développement économique du pays. A continuer jusqu'à mercredi 14 d'août là, dans l'idée pour continuer à éliminer toute vieille perception qui gagne sous pratique vaudoua dans le pays. Nous prenons pause, nous retournons pour plus d'informations sur la télévision nationale d'Haïti. Hey, pas d'avoir parlé. Oh, c'est Joël. Mes amis! Oh! Ti Joël, où est-ce que vous avez connu? Lumière rouge, c'est pour piétons. Machine campée, laisse tout le monde traverser. Mais là, lumière verte, c'est pour machine. Machine montée, machine descendre, monde campée, bye machine passer. Et pour apprendre à garder la lumière, vous avez traversé la rue. Où est-ce que vous avez aujourd'hui? Respectez les règlements de la circulation. C'est normal. La loi est dure, mais c'est la loi. Cassandra, Julia, Jessica, c'est trois jeunes étudiants qui ont pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. Trois jeunes mesdames, Sayo, qui ont habitude marcher dans la rue avec téléphone, castant oreilles, chat avec amis, sans ne pas avoir aucune attention à monde qui est dans l'environnement. Cassandra, Julia, Jessica, pas de jambes penser un jour à mal qui t'a arrivé dans la vie. Voilà. Est-ce que vous même tout pensez à conséquences ça qu'a gagné sur la vie? L'on choisit utiliser téléphone n'importe qui façon pendant la rue. On suspend mauvaise habitude ça yo pendant à utiliser téléphone. C'est un message Radio Télévision Nationale d'Haïti ak Zoom Entertainment. Nous tournons à propos là, merci pour patience sous avec fidélité ou sur Télévision Nationale d'Haïti. Toujours dans le cadre de Fenêtre Culturelle, dans le qu'on est, Anise Création a annoncé 3e édition Salon Créativité pour vendredi 16 d'août et samedi 17 d'août dans Foubar. Dans la 2e édition passée, plusieurs artisans, entreprises artisanales et designers, tant que Beau Bijou Création, Ice Collection, Myriel Cocktail, pour ne citer ça ou seulement, ont bien pour exposer articles décoratifs, rades, bijoux et latriers. Salon Créativité qui est initié dans l'année 2017, gain pour mission créer espace pour artisans, faire promotion Zev artisanal et puis faciliter Zev Yovan. Nous parlons de littérature dans la fenêtre culturelle là, dans l'affaire qu'on est. Haïti et Québec, deux plénitudes littéraires. C'est en baptême ça, en arrivée, dans Montréal. Apparaît pour organiser 17 août 2019 là, qu'approche là. 12e édition, journée livre haïtien dans le pays Canada. 20 livres et spectacles littéraires, exposition livre, c'est quelques parmi activités qui ont gagné dans la programmation événement culturel ça. C'est à l'occasion tout pour responsable honoré plusieurs écrivains qui fait non yo dans le monde haïtien contemporain. Non? Parmi eux, Anthony Fez à Rodney Saint-Louis. Nous revenons dans le journal là. Merci parce que tu as suivi. Mais avant nous aller, quitter nous rappeler au grand titre nous avons développé pour asseoir. Centre arrivé dans Montréal, annoncé pour 17 d'août là, déroulement 12e édition journée livre haïtien. Haïti et Québec, deux plénitudes littéraires, c'est thème qui choisit pour nouveau édition événement culturel ça, qu'a fait dans pays Canada. Anthony Fez et Rodney Saint-Louis apprécient la distinction dans l'occasion pour ensemble travail accompli pour avancement littérature haïtienne. Rapport autopsie général Toussaint Louverture, fin rentrée dans la collection Musée Panthéon National. Responsable institution ça recevoir document ça parmi une série de pièces qui gagne valeur dans commencement mois d'août là. Mupana fait nouveau acquisition yo grâce à une université étrangère qui t'a acheté dans cadre yon vente aux enchères.
Première édition Festival International Vodou a arrivé dans Boutli, dans ville Gonaïve, mercredi 14 d'août là, qui coïncidait avec date commémoration cérémonie Bois Caïman. Dans journal ça nous te permet de revivre comment ça était dans cadre festival ça qui visait réconcilier peuple haïtien avec origine d'après organisateur. Merci parce que tu as suivi, toujours songer brancher télévision nationale d'Haïti pour suivre reste programmation. Bye bye tout le monde.